Coucou tout le monde, c'est Marjo Diamant Painting. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous prendre pour une petite vidéo unboxing partenariat avec la compagnie Diamond Art Gift. Aujourd'hui, nous sommes le, que je me trompe pas, mercredi 18 janvier. Voilà, donc j'ai reçu mon colis dans ce papier là. Là j'ai noté toutes les informations qui me seront nécessaires. Alors j'ai vérifié, il y a bien tout ce qui a été convenu avec la compagnie. Alors je vais déjà vous montrer le DP que j'ai choisi. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi ça va, légèrement fatiguée, mais ça va. Vous m'excuserez pour le bout du papier. Alors, on va sortir. Voilà. Non, il est là-haut. Voilà. Donc, je vous présente ici le toolkit de base style école et marquette. Très utile pour les personnes qui viennent à débuter, qui n'ont pas encore le matériel nécessaire. Les diamants, vous voyez qu'ici on est sur une toile avec des diamants ronds. Ils sont alors c'est rigolo, je vais vous montrer ça. Je vais ouvrir, bouchez vos oreilles. Voilà, vous voyez, j'ai un sachet zip, voilà, de cette couleur, et le reste est un sachet ribambelle. Alors, vous risquez d'entendre des petits bruits parce que Monsieur Toby fait des pirouettes sur... son petit canapé qui claque, voilà, il s'éclate. Voilà, voilà, voilà. Alors, vous voyez, on a beaucoup de couleurs sombres. Oh là là, alors ça c'est quoi? Alors, on n'y voit vraiment pas très bien. On n'a pas une luminosité énorme. C'est du 535. Et il y en a 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ici, du 317. Regardez-moi tout ça. Mon Dieu, j'ai jamais vu ça. Mais regardez ça. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39. Ouh là 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 là, mon Dieu. Je ne sais pas si je ne me suis pas loupée. Je suis un peu fatiguée. J'arrive du boulot. J'ai travaillé tout ce matin, plus 2 heures cet après-midi. Là, et c'est hard, quoi. Donc, vous avez vu là un peu les couleurs. Encore du 413. Regardez-moi tout ça. Couleur très sombre, beaucoup de gris dans ce DP. Les quelques couleurs que j'ai, voilà, ici. Un peu de violet. Voilà. Ici encore un peu de violet, un peu de rose. Ici de marron. Couleur peau. Ici pareil. Ça c'est quoi? Ça c'est du 310, il me semble.
ensemble. Ouais. Voilà, donc du noir. Heureusement qu'on a du violet quand même, hein, pour agrémenter toute cette toile. Bon, je ne vais pas tout sortir, je vais m'amuser pour tout remettre après. Je ne vais pas le remettre maintenant, je vais vous éviter tout ce petit bruit-là. Je vais vous montrer ma toile choisie. Voilà, elle est très grande. Alors, il va falloir que je remette le papier. Vous voyez, papier transparent. Le papier qui fait des plis. Ce n'est rien de grave. On arrive à le repositionner normalement. Voilà. Ici, on va essayer de faire la main en haut. Voilà. Et voilà. Voilà. Alors, je vais, tant que j'y suis avec la règle, mesurer l'image. L'image, on est à une 40. Ouais. Donc, non, ils disent 50 par 60, mais c'est la toile qui fait 50 par 60. Pardon, j'ai fait tomber ce stylo. Regardez-moi cette merveille. Hein. Je vais vous avancer pour que vous voyez un peu les symboles. On va essayer de. C'est pas évident parce qu'on est dans un bleu nuit, un grisâtre. Ah, je suis en train de mal remettre. Voilà. Elle est très jolie cette étoile, cette petite gorgeous. Et un peu, vous voyez, écolière qui tient son crayon. Si je la mets comme ça. Est-ce que voilà, vous l'avez voyé là? Et là, vous voyez une cassette, les vieilles cassettes qu'on avait quand nous étions plus jeunes. Et certainement qu'elle tient même son crayon, vous vous rappelez, pour rembobiner la bande de la cassette. Parce que là, on voit que la bande est sortie. Donc, avec le crayon, vous vous rappelez, on devait rembobiner dans la cassette pour que la bande revienne. C'est un joli rappel de souvenirs des années 80, je trouve. C'est très mignon. Elle est très belle, cette gorgeous. Donc, je vous disais, papier transparent, la colle. Vous voyez, ça colle très bien. Ça sera toujours pareil. Moi, les symboles, je pourrais vous dire si je les ai bien vus, s'il n'y a pas eu de doute sur certains symboles. Mais ça a l'air d'aller quand même. Ça risque d'être compliqué dans les couleurs un peu gris, là, dans tout le décor. On est sur une 28 couleurs au niveau DMC. Vous avez les DMC. Ici, le tableau des légendes, ici sur le côté, là, et ici en haut. Franchement, elle a une très bonne taille, elle est superbe cette toile. Il va me tarder de la faire. Donc, voilà pour mon DP. Et maintenant, je vais vous montrer, pardon pour le bruit. Le deuxième article choisi.
Aïe, 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 je vais faire des bêtises. Ce n'est rien, c'est la règle qui est tombée, mais ça a pu vous casser les oreilles. Voilà. On va mettre ça là. Voilà. Alors, que je vous montre. Regardez-moi cette merveille. Quand je les ai vues, j'ai dû fouiller pour les voir. Je les ai trouvées magnifiques. Alors, on va essayer de ne rien perdre. Vous avez donc le toolkit avec les petits sachets. Les diamants ici sont déjà les diamants cristaux sont déjà dans le ici. Alors le DP que je vous dise, il était au prix de $10,99 sur le site. Et je pense qu'il y est toujours. Ici, vous voyez, on a quelques petites... des cristaux. Voilà. Ici, ces gouttes-là. Vous voyez qu'on a aussi du bio, sorte de vieux rose. Là, un rose plus prononcé, voilà, en forme de goutte, et ensuite des tout petits strass, vous voyez, dans le noir, dans l'argenté, dans le doré, dans le rose, le rouge, le violet. Oh, ils sont magnifiques, vraiment rien à dire. Je vais remettre ça là dedans. Ça, pendant un DP télé, ça devrait être vite fait. Vous avez donc les instructions pour tout vous expliquer pour cette paire de gants, vous voyez. Alors, les instructions, bien sûr, sont en anglais. Ils vous disent d'ouvrir le paquet. Vous diamantez, bien sûr. Ici, vous avez vu, moi, c'est des tours Eiffel. Voilà. J'ai ces tours Eiffel à diamanter. Alors, ils sont gentils, mais est-ce qu'il y a un papier ? Oui, je pense, mais moi et mes ongles. Ah oui, il faut enlever l'acrylique, le film. Le film, mais moi là, je ne vais pas le faire là. J'espère qu'il n'y a pas de problème. J'ai l'impression qu'il n'y a pas le film, mais ça ne colle pas. Donc, il doit y avoir le film dessus quand même. On verra bien. Je vous dirai ça la prochaine fois. Une fois que vous avez diamanté tout ça, vous avez ici, par exemple, encore pour le bruit, vous voyez, oh, ils sont magnifiques. Oh là là. Ils sont beaux. Alors, vous voyez, ils sont attachés, hein, ils sont liés. Vous avez le crochet. Alors, est-ce que je vais rentrer? Est-ce que j'ai une main à... Parce que des fois, avec les vêtements asiatiques, c'est plus petit que pour nous, Européens, voilà. Vous voyez, ils sont beaux, hein. On a un beau toucher, c'est rigolo que ce doigt soit seulement avec que ce doigt. Ah, et l'autre aussi c'est pareil, vous voyez. Donc voilà.
Non, franchement, là, agréablement surprise. Une fois que vous avez fini de diamanter votre, voilà, là ici, votre tour Eiffel ou l'autre modèle que vous aurez choisi, vous devez le placer sur le gant. Par exemple ici, comme ceci, ou comme ceci, je ne sais pas. Vous voyez, comme vous voulez. Là où vous voulez, là ils disent là où vous voulez, vous le placez là où vous voulez, comme vous voulez, mais moi je pense que je le ferai comme ça plutôt. Voilà. Comme ça. Vous avez un petit papier à mettre sur le voilà diamant que vous avez fait. Vous devez passer alors tondu iron à 120-150 degrés. Je pense qu'ils appellent ça le fer. Alors là, en fait, ils expliquent, pardon, qu'ils ont diamanté, qu'on doit diamanter avec les numéros correspondants, sauf les diamants spéciaux. Alors, ce qu'ils appellent diamants spéciaux, là, vous voyez, là, c'était un chien qu'ils avaient fait, un modèle. Et ce qu'ils appellent les diamants spéciaux, c'était les yeux du chien, vous savez. Les yeux qui bougent, voilà. Ça, il faut les mettre une fois que vous avez passé le coup de fer dessus pour apposer votre modèle, votre, voilà, pour bien que ce soit collé. Et normalement, ben, une fois que tout sera fait, on aura le modèle de la tour Eiffel sur les gants. Vous voyez, ce sera disposé bien, bien diamanté. Là, pour l'instant, ça donne rien, mais dès que je l'ai fait, je vous promets, je vous montre. Et que je vous dise, sur le site, ils sont au prix, ces gants, de 7,99$. Moi, je trouve que ça vaut le coup. Après, il va falloir que je vois si ça fonctionne bien, quoi. C'est ça surtout. Ils appellent ça des gants coupe-vent extensibles chauds pour femmes, filles, hiver. Voilà. Ils disent que c'est une taille unique et qu'elle est en rose clair. Voilà. Bon, ben, les amis, avec tout ce qu'il y a là, j'espère que ça, cet unboxing, pardon, vous aura plu. Je vais essayer de ne rien perdre. J'espère que mes gants vous auront plu. Et j'espère bien sûr aussi que cette grain de toile aura fait son effet. Oh là là, il ne faut pas que je perde mes tours Eiffel, moi. Voilà. J'espère que voilà. Alors, j'enlève. Voilà, je mets tout ça là. Voilà, les amis, mon unboxing est maintenant terminé. J'espère vous montrer le résultat dès que possible. Vous savez qu'entre le travail et tout, c'est pas évident. Je fais ce que je peux pour vous montrer ce qu'on me voit. Les gants, je pense que je le ferai assez vite parce que ça peut plaire à pas mal de monde. Voilà. Je remercie énormément Diamond Art Gift pour leur collaboration et leur gentillesse avec moi. Ils me recontactent chaque fois et c'est toujours un plaisir de collaborer avec eux. Voilà.
Mais les amis, maintenant, je vous laisse libre de vos commentaires. Et je vous dis à très prochainement pour un prochain unboxing ou un petit blabla entre nous. Voilà. Allez, gros bisous les amis. Ciao, ciao. Bisous, bisous. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ciao, ciao les amis.